Bonjour, vous écoutez la brasserie du mardi. Bienvenue. Cette semaine, on s'intéresse au FC Bâle, leader de Super League avec Valentin Schnorck. Le seul handballeur roman de l'équipe de Suisse, Mehdi Ben Romdane, nous rejoint dans la brasserie pour évoquer son sport moins populaire en Romandie. On se penche sur le HC Ajoie avec notre spécialiste hockey Cyril Pache. Et puis, on fait le point sur les clubs romands de Challenge League avec Florian Vanet. Bonne écoute. Salut Valentin Schnorck. Salut Sylvain. Tu nous rejoins dans la brasserie du mardi pour parler du FC Bâle. On a pas mal parlé des romans ces dernières semaines et puis là on va parler du leader de Super League, le FC Bâle. On est début novembre et puis le FC Bâle est leader. Alors voilà, on va pas tirer des enseignements trop vite, mais on a Zurich qui est deuxième, IB qui est troisième. Ces trois équipes, elles sont en course pour le titre. Pour le moment, on verra si ça va continuer. Mais en tout cas, c'est déjà intéressant parce que ces dernières années, c'était déjà plus ou moins plié. Enfin, IB avait déjà fait un petit break, en tout cas, sur l'FC Bâle ces dernières saisons. Ouais, c'est intéressant parce que c'est intéressant parce que c'est serré. Donc c'est où faut, disons qu'il faut d'un côté on peut louer ce que fait Bâle depuis le début de saison et puis de l'autre côté faut pas négliger que IB est engagé en Ligue des Champions, qu'ils ont eu un nouvel entraîneur, qu'ils ont d'ailleurs plus de concurrence cette année aussi. Donc voilà, c'est des manières d'expliquer pourquoi est-ce qu'IB est peut-être un petit peu à la traîne. Moi, pour le dire d'emblée, je pense qu'IB reste supérieur, pour ne pas dire largement supérieur à Bâle, ne serait-ce que sur la première confrontation qu'il y a eu entre les deux équipes, qui était au mois d'août, fin août, à Bâle, où il y avait eu un partout, après que IB a joué une grosse mi-temps à 10 contre 11, mais quand il était à 11 contre 11, ils avaient largement dominé Bâle. Alors, c'était un autre Bâle à l'époque. Bâle a beaucoup changé quand même. Après le mercato, mais ce qui est sûr, c'est que Bâle est présent, répond présent. Il y a moins de soucis. Bâle n'a toujours pas perdu en championnat. Leur seule défaite, c'est en coupe contre Carouge la semaine passée. En championnat, ils n'ont pas tout gagné non plus. Mais ils arrivent tout le temps à faire des points. Ils sont présents, ils sont au rendez-vous. Il y a une énergie nouvelle qui tourne autour de ce club. On sait que c'est un club qui avait eu beaucoup de problèmes, notamment de dirigeants, de problèmes financiers. Donc, le problème des dirigeants, c'est que Bernard Burgener, qui était propriétaire du club jusqu'à l'année dernière, ne voulait pas lâcher le club, malgré des déficits structurels qui étaient hyper importants. David Degen avait finalement pu reprendre le club sur la base d'une décision de ce ferreur de justice qui avait été rendue par la justice bâloise. Donc voilà, c'était tout un. Enfin, qu'on peut le dire, c'était un sacré bordel pendant plusieurs mois, le FC Bâle. Et puis là, depuis que Degen a repris le club au printemps, alors il y a quelques soucis en interne qu'on occulte un petit peu, ne serait-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'employés qui étaient licenciés ces derniers mois, des médecins historiques du club, des gens dans les bureaux aussi. C'est Donc, Caroline mais. Bosanzo, hein, les légendes du club qui sont aussi qui ont été Oui, virées. voilà, donc. Il y a des joueurs qui y a failli, pardon, les joueurs des éléments du club qui ont été gentiment gentiment virés. Mais vu que sur le terrain ça tourne, et c'était en effet pas le cas les dernières années, c'était compliqué sur le terrain. Disons que l'écart était beaucoup plus prégnant, aussi beaucoup par la faute de Bâle qui perdait des points qu'il ne devait pas perdre. Bâle est premier, Bâle est à sa place. Bâle a surtout un extraordinaire joueur qui s'appelle Arthur Cabral qui est largement le meilleur joueur du championnat de Suisse depuis le début de saison, qui est à la hauteur. On l'a encore vu samedi contre Zurich, à Zurich, où il met ce but extraordinaire. Il est impliqué dans à peu près tous les bons coups bâlois. Voilà, donc disons qu'il y a une énergie nouvelle. Il y a un Patrick Ramen qui arrive à donner cette énergie, même si la défaite à Carouge a constitué un premier petit accroc et puis que ça a pu remettre certaines causes. Et on voit que c'est quand même un équilibre qui est un petit peu fragile parce que dès que ça va pas, il y a quand même très vite la crise qui peut couver autour du FC Bâle. Mais disons que c'est globalement positif parce que les résultats sont là et parce que le jeu est aussi présent. Ouais, je crois que tu as quasiment tout dit, on peut se quitter là. Non, je vais quand même te Non, mais. remercier sur certains points, mais par rapport à Patrick Ramen, c'est quand même un mec du coin hein, qui vient de Dornard, qui est venu en 2004 au FC Bâle dans le centre de formation. C'est un mec du cru, et puis contrairement aux anciens, à ses prédécesseurs, Vicky, Yakin, Sforza, qui sont des joueurs avec
enfin, des anciens joueurs avec une jolie carrière quand même honorable. Lui, il n'a pas cette carrière de footballeur, en tout cas pas aussi prestigieuse. C'est un mec du coin et puis ça fait du bien quand même au FC Bâle. J'ai l'impression que si au niveau des supporters, d'avoir quelqu'un de la maison, ça fait du bien. Et il a apporté sa patte, peut-être un peu plus modeste. Ouais, alors je sais pas s'il est plus modeste, mais en tout cas, enfin, ce qu'il faut rappeler sur Ramen, c'est que c'est un petit peu un serpent de mer à Bâle. Ça fait plusieurs années qu'on parlait de Ramen pour reprendre Bâle quand il était à Bienne, à Arreau, parce que forcément il avait cette étiquette de Bâlois. Et puis on sait qu'à Bâle, il y a quand même quelque chose qui est très important. On va pas dire que c'est pour que le club aille bien, il faut qu'il soit un peu noyauté par des Bâlois, mais c'est quand même pas loin. Enfin, il y a quand même un héritage qui est toujours entretenu. On veut des gens de la maison. Les gens de la maison bénéficient d'une tolérance, d'un seuil de tolérance qui est beaucoup plus important que les autres personnes. Marcel Keller, après Marcel Keller, on pensait déjà que c'était Ramen qui devait venir. Donc voilà, enfin, il y a toujours eu ce nom-là qui était un petit peu derrière, qui était mentionné, etc. Et puis une fois qu'il prend le club en main, eh ben, il bénéficie d'une légitimité, d'une tolérance, d'une acceptation qui est beaucoup plus large que les autres, parce qu'il est d'ici. Et puis voilà, c'est dans le jeu, c'est pas extraordinaire, c'est pas stratosphérique, même s'il y a des éléments qui progressent, qui vont mieux. Mais oui, c'est parce que c'est un Bâlois que la vie lui est rendue plus facile, même s'il y a toujours de la pression à Bâle. Mais on lui laisse passer beaucoup plus de choses que ce qu'on laissait passer à ses prédécesseurs, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup d'arrivées, hein, une dizaine à peu près cet été, Pelmar, Esposito, Endoy, Millar, au FC Bâle, alors que Bâle est quand même réputé pour sa formation. Ça, c'est pas un petit peu dommage. On n'a pas beaucoup de joueurs suisses, du centre de, en tout cas du centre de formation de Bâle qui jouent, qui sont alignés. On a privilégié pas mal d'arrivées. Bon, alors aussi des jeunes joueurs suisses, hein, comme Endoy, qui d'ailleurs a marqué ce week-end. Mais ça, c'est plus la philosophie du FC Bâle qu'on a connue ces dernières saisons. Alors oui, c'est clair que bon, Bâle, c'est, disons que le regard sur Bâle a été un petit peu biaisé par cette extraordinaire génération qui sont sortis à peu près au même moment, les Chaka, les Shaqiri, etc. Enfin, tu vois, il y en a quand même un beau paquet qui sont sortis au même moment, là, les 91, 92, 93, 94. Donc forcément, on s'attend à ça, mais oui. Je pense que dans l'académie a eu pas mal de remous aussi ces derniers temps. Ils avaient pris un directeur de l'académie qui était Percy van der Linhove, qui était un Hollandais, je crois, qui avait travaillé à Salzbourg, à l'Ajax, qui vient de partir. Je crois pas qu'il était viré, mais ils sont séparés très récemment. On ne sait pas vraiment dans quelle direction ça veut aller, mais disons que c'est. L'Académie symbolise un petit peu les remous qu'a connu le club dans son ensemble ces dernières années. Alors voilà, donc cette saison, on est clairement parti dans une autre stratégie de recrutement qui est quand même basée sur le trading de jeunes joueurs. On va prendre des jeunes joueurs dans des clubs étrangers. Alors ce que Bâle a toujours fait, hein, d'une certaine façon, aller chercher des joueurs sud-américains, des joueurs africains, enfin voilà, enfin, il n'y a pas besoin de citer, mais enfin, les Salah, El Neni, etc. C'était quand même cette stratégie-là, mais elle était conjuguée à un travail local qui était important. Mais là, on est clairement dans une autre approche, dans une autre idée. C'est que on va prendre des jeunes joueurs, ils sont jeunes, peut-être on doit les payer, peut-être on doit les simplement on se les fait peut-être prêter, on pourra les racheter, les revendre. Peut-être on peut les avoir presque libres ou à des sommes qui sont assez dérisoires. Et on les met en valeur, on les fait jouer, et j'imagine que d'ici un an, d'ici 2 ans, bah, on espère pouvoir faire une plus-value hyper importante sur ces joueurs-là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bâle a connu des soucis financiers qui étaient extrêmement importants. Ils ont eu des trous dans les caisses qui étaient extrêmement importants. Il y avait de l'argent qui avait quasiment disparu parce qu'il fallait taper dans les réserves pour combler tous les déficits. Et la situation est toujours très 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 chaotique à Bâle. Donc il faut trouver un nouveau moyen de faire des sous, et c'est, je pense que c'est un petit peu l'idée de David Degen. C'est de, d'ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que David Degen est un agent à la base, enfin, est un joueur qui est devenu agent avec son frère Philippe. Ils avaient en tout cas monté une boîte d'agents qui existe toujours, qui est menée par Philippe maintenant, qui est assez puissante en Suisse et en Europe, ça s'appelle SBE Management.
Donc ils ont des contacts, ils ont un réseau qui leur permet d'aller chercher des jeunes joueurs et de les valoriser et de les et d'espérer pouvoir les revendre très cher. Donc c'est une autre stratégie, c'est une stratégie différente qui peut-être réussira à moyen terme, mais disons que pour l'instant elle est pertinente parce qu'il y a des résultats, parce que quand tu vas prendre un Millar qui sort des jeunes de Liverpool, tu vois que c'est un bon joueur, un bon dribbleur. Quand tu vas prendre un qui c'est que tu peux prendre le défenseur central, la Serge Viga à 18 ans, Burkinabé, qui était au Sefera Vitesse Arnhem, et que tu le fais jouer, lui, disons que tu peux très bien penser que dans 2 ans, tu le revends 4-5 millions à un bon club, s'il joue régulièrement, s'il fait des bonnes performances comme ce qu'il a fait depuis 2 ou 3 matchs. Voilà, c'est des joueurs comme ça qu'on promeut, qu'on met un petit peu devant la vitrine, et puis qu'on espère qu'un jour ou l'autre, on vient de nous acheter, et puis on fait des plus-values intéressantes et on renfloue les caisses. C'était une stratégie, je pense qu'elle est pertinente en Suisse. Je pense qu'elle devrait être combinée aussi à une formation mieux développée, mieux mise en valeur, parce que le football suisse a besoin de ça aussi. Mais c'est clair que le trading de joueurs est un des éléments majeurs pour un club suisse pour se faire pour être pertinent économiquement, et je crois que Ball l'a bien compris sous l'égide de David Degen. Ouais, on sent qu'il a justement ce rôle d'agent, et puis il comprend un petit peu les finances, et puis les dessous du football. Puis justement, bah, tu parlais de ce Liam Millar, c'est un bon exemple de cette stratégie. C'est un mec qui n'a pas coûté très cher, qui a 22 ans, et puis qui est en train de gentiment foutre dehors Stöcker, gentiment le faire s'asseoir sur le banc, le papy. Et puis ben, voilà, plus il joue, plus il va prendre de la cote. Arthur Cabral aussi qui est en train d'exploser. D'ailleurs, Arthur Cabral, est-ce qu'ils vont pouvoir le garder? Parce que c'est ça l'idée, c'est de pouvoir le garder. Idéalement, jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Parce que si ben, il ne joue pas la Ligue des Champions, Arthur Cabral, il va aller voir ailleurs. Ouais, je ne sais pas si l'idée cette année était évidemment de le garder parce qu'il fallait un joueur qui tienne un petit peu l'attaque. Une moment que ça tourne. Et je ne sais pas, enfin je suppute, mais imagine, tu as un club qui arrive cet hiver et qui dit, bon, bah, on a besoin d'un attaquant, on vous met 30 millions sur la table. Et bah, je pense que Cabral, tu es obligé de le vendre. Hein, que tout est, enfin, si tu es FC Bâle, si tu es le FC Bâle, d'une perspective économique, tu sais que tu as besoin de te faire des sous. Selon la somme qu'on vient de proposer, il faut le vendre. Ils n'auront pas le choix de faire autrement, quoi. Ça, c'est clair. Alors, jusqu'à quand... Pardon? 30 millions pour Cabral, c'est généreux quand même. Même s'il a explosé avec la première sélection brésilienne. Je suis d'accord, mais tu vois, alors c'est clair qu'on est en période post-Covid, qu'il y a encore des clubs qui sont en difficulté, mais enfin, tu vois, un club anglais, j'en sais rien, non, anglais, ça va être compliqué parce qu'il est pas, je pense qu'il est, il aurait, pourrait pas avoir de permis de travail, mais un club espagnol, un club allemand qui a besoin d'un joueur, d'un attaquant qui peut être efficace très vite, tu sais que Cabral, ses buts, normalement, il les met. Donc, voilà, ce ne sera peut-être pas 30 millions, ce sera peut-être plutôt 20 ou 25, mais jusqu'à partir de quel stade Bâle peut se permettre de refuser une offre pour Cabral, sachant qu'il a quand même du monde qui arrive derrière. Alors, je pense qu'il faut assurément en profiter de Cabral pour le moment, mais je serais très étonné si, disons, qu'à partir de l'été prochain, il n'est pas parti, quoi. Si pour la saison prochaine, même s'il y a la Ligue des Champions, je pense qu'il devra être parti. Hein. Ça me semble pertinent en termes de réflexion comptable, quoi. Mais il faut, c'est un joueur qui est extraordinaire, qui est capable de déclencher les choses qui n'existent pas chez aucun autre joueur en Suisse. La frappe qu'il met de 30 mètres après 2 touches contre Zurich, ça n'existe pas normalement. Ouais, ce but, je me suis refait plusieurs fois. Il est quand même assez incroyable et ça fait du bien. Et d'ailleurs, c'était un magnifique classiqueur, hein, 3-3 contre Zurich ce week-end. Ça fait du bien pour le football suisse aussi. Il y avait des émotions. Il y a eu ce Bâle qui pensait gagner 4-2 la dernière et puis qui finalement se fait rejoindre. Enfin, c'était un tout gros match, quoi. Oh, en termes de spectacle, c'était sympa parce qu'il y avait des buts un peu dans tous les sens. En termes de je pense que si tu es entraîneur, tu n'es pas très content non plus de ce que tu as vu parce que. Défensivement de part et d'autre c'était pas loin d'être n'importe quoi par moment, enfin, la défense zurichoise, le nombre de fois ils se sont trouvés à 3 contre 5, c'était indécent. La défense bâloise qui a toujours de la peine à gérer les transitions défensives, bah, ça s'est encore vu dans ce match-là, mais c'est clair qu'il y avait du spectacle et on peut pas rechigner là-dessus. Parce que et puis il faut quand même bien dire que la Super League cette saison, sur ce début de saison, et peut-être que ça participe aussi du fait que Bâle est en forme, que IB est un petit peu moins bien, que Zurich
est présent et que Zurich présent, c'est quand même important pour le football suisse, sachant que c'est une place forte en termes de budget, en termes de moyens. Il faut que Zurich soit en forme. Le fait que d'avoir trois équipes, les trois plus grosses, plus puissantes équipes du pays qui se tirent un peu la bourre, ça peut être, ça donne beaucoup plus de valeur à la Super League que ce qu'il y en avait eu les dernières années. Après, il faut pas être dupe, on n'est pas devenu un championnat extraordinaire parce qu'on a quand même des carences tactiques qui peuvent être assez importantes. Très bien, merci Valentin, on a fait péter le chrono. On va finir là-dessus. Merci Sylvain. On accueille dans la brasserie du mardi Mehdi Ben Romdan. Salut Mehdi. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir, tu es un joueur de handball suisse. Tu es le premier et le seul roman dans l'équipe de Suisse de handball. Tu as 19 ans. Tu viens de Yverdon, Romanelle-sur-Lausanne, c'est ça? Tu es vaudois. Et Oui, puis, c'est ça. tu es donc le premier dans l'équipe suisse. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'un seul roman dans l'équipe de Suisse? Je pense que c'est surtout l'apprentissage du handball. C'est pas la même chose en Suisse allemande qu'en Suisse romande, même si la Suisse romande s'améliore d'année en année, mais la Suisse allemande est un peu mieux, on va dire. Toi, tu n'as pas hésité à 15 ans hein, à partir en Suisse allemande au Kadetten Schaffhausen. C'est un peu le gros club sur la scène du handball suisse qui joue la Ligue des Champions, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Mon papa, quand j'étais petit, il m'a demandé si je voulais réussir dans le handball ou pas. Et puis, je lui ai dit oui. Donc, pour lui, c'était clair que je devais partir de la Suisse romande. Ouais. Partir à 15 ans à Schaffhouse, c'est pas évident pour un Vaudois, non? Ah, pas du tout. Déjà, la langue, et puis, c'est pas le même climat, la même, on va dire, je sais pas comment dire, on va dire, Le contexte, la la même culture. ambiance, quoi. Ouais, voilà, culture, complexe, c'est pas la même chose. Ouais. As réussi à te faire la place, ta place là-bas. Hein. Maintenant, tu joues à Guetze. Pourquoi tu es parti à Guetze, qui est sur le papier moins fort que Schaffhouse? Parce que j'ai joué l'année passée un peu avec la première équipe. Et puis cette année, je voulais avoir beaucoup plus de temps de jeu et pouvoir avoir un peu plus d'expérience. Donc j'ai décidé de partir à Zurich pour avoir plus de temps de jeu. D'accord, tu joues avec l'équipe de Suisse, hein, et puis là, vous allez partir en Tunisie pour un tournoi international. Vous êtes à Genève actuellement. Justement, tu as vécu ta première sélection avec l'équipe de Suisse au championnat du monde en janvier passé, et vous avez été repêché, moins de 2 jours avant le début de la compétition. Raconte-nous. Si on savait que s'il y avait une équipe qui pouvait pas aller, on serait les prochains à pouvoir partir. Du coup, l'entraîneur et tout le staff, ils nous ont prévenu qu'on devait rester prêt. Et puis, un jour avant ou 2 jours avant, on nous a appelés, on s'est tous rejoints à Schaffhouse. Et puis on a fait Corona test, on est resté toute la journée dans la chambre, puis après le lendemain on est parti au championnat du monde, quoi. Vous êtes arrivé genre à l'arrache, hein, last minute, sur place en Égypte. Ouais, restait je crois 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie avant le match. On est arrivé à la salle, on n'avait même pas encore nos valises parce qu'elles étaient dans un autre bus. Et puis on s'est Incroyable. dépêché, puis on a gagné le premier match, donc c'était super, quoi. Vous avez gagné le premier match, vous avez aussi perdu de justesse contre la France, hein, qui est genre là une des nations phares du handball. Vous n'avez vraiment pas été ridicule. Au final, vous avez pas échoué, enfin vous avez échoué de justesse pour une place en quart de finale. Est-ce que le regard sur l'équipe de Suisse, il a changé grâce à ce tournoi, tu penses? Oui, je pense. Bon, je pense que ça fait déjà, on va dire, depuis une année maintenant que les gens remarquent un peu que la Suisse s'améliore et puis qu'ils veulent qu'on veut faire quelque chose en handball. Ça veut dire même la fédération, elle investit plus dans les académies, dans les entraîneurs et trucs. Et je pense que c'est un bon avenir. Comment tu expliques ce renouveau du handball et c'est lié aussi au sélectionneur Michael Souter? Michael, c'est quelqu'un qui m'a eu à l'académie à Schaffhouse. Ça veut dire qu'il me connaît depuis mes 15 ans. Et puis c'est quelqu'un qui aime bien toujours ramener des jeunes dans l'équipe nationale
pour leur donner confiance. Et puis lui, il regarde beaucoup plus loin. Ça veut dire, il regarde pas dans les 2 prochaines années. Peut-être il regarde dans les 8 prochaines années. Comment sera l'équipe nationale? Et puis je pense que c'est ça qui fait la différence. Il disait que c'est vraiment différent au niveau de l'apprentissage du handball en Suisse allemande par rapport à la Suisse romande. Tu arrives à expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait la différence? C'est enseigné dans les écoles, c'est plus de budget, plus d'entraînement? Ouais, alors, bah ouais, parce que moi j'ai fait les deux, j'ai fait à Crissier et puis à Schaffhouse, donc c'est sûr que l'infrastructure n'est pas la même aussi. Ouais, je pense que c'est plus d'investissement et puis ouais, ça veut dire ils investissent plus sur le handball en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Et puis plus d'entraînement aussi. Ouais, tous les jours. Toi, tu fais un apprentissage à côté, c'est ça, hein? Tu travailles, donc C'est ça. t'es pas professionnel encore complètement. Jusque cet été. OK. Et puis le CS Chenhua à Genève, hein, est retourné en Ligue nationale A. Bon, c'est difficile, hein? 10 matchs, 0 points, c'est un apprentissage de l'élite qui est difficile. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de club romand en Ligue nationale A. Toi, en tant que romand, j'imagine que tu vois ça d'un œil positif. Ah oui, bah ça fait plaisir. Ça montre aussi que le handball romand s'améliore d'année en année. Et puis, pourquoi pas plus tard avoir 2, 3 équipes romandes en Ligue nationale. Et puis pour toi, d'avoir des romands dans l'équipe de Suisse, parce que du coup, t'es un petit peu le seul Welsh avec tous ces Suisses allemands. Ah ouais, bon, il y a Portner qui parle aussi un peu français, mais ouais, c'est vrai que ça serait bien si on serait 2, 3 romands dans l'équipe. Est-ce que bah toi, du coup, c'était quoi? Est-ce que tu avais des modèles des stars françaises, Jackson Richardson, Nicolas Karabatic? C'était plutôt du côté de la France que tu regardais quand tu étais jeune comme modèle? Ouais, plus la France, parce que bah, avant, je savais pas parler allemand, je regardais pas trop ce qui se passait en Allemagne et tout. Mais ouais, c'est vrai que en France, c'était bah, c'est les plus titrés, donc c'est sûr qu'on regarde toujours les meilleurs. Et puis ton père, hein, tu l'as dit avant, était joueur et entraîneur de handball. C'est lui qui t'a pas mal aussi donné cette passion du handball. C'est juste qu'il y a ton frère aussi qui joue, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est mon père qui m'a initié au handball, qui m'a tout appris ce que je sais faire, et puis c'est mon modèle, quoi. Est-ce qu'il t'encadre encore maintenant, qui suit ta carrière, j'imagine? Bien sûr, tous les jours je l'appelle, je lui explique comment était l'entraînement, il me donne des conseils, toujours en contact. Ouais. Toi, donc tu joues dans Guetze, je crois que vous êtes deuxième du championnat suisse de Liga. C'est quoi ton objectif à court terme, moyen terme? C'est un jour de jouer à l'étranger. C'est quoi les clubs qui te font rêver? Bah c'est sûr, bah autant qu'en balleur, si on veut réussir dans ce sport, c'est sûr qu'on veut jouer dans les plus gros clubs du monde. Après, moi maintenant, je suis vraiment concentré sur mon apprentissage, déjà jusqu'en été. Puis après, en handball, c'est surtout beaucoup jouer, beaucoup avoir d'expérience, et puis on verra par la suite, quoi. Mais tu as un championnat qui te fait rêver, c'est plutôt l'Allemagne, la France, ailleurs. Je dirais la France quand même. Mmh. Vraiment, ça a été hein, depuis petit, je regarde, et puis c'est sûr que c'est un objectif. Ouais. Avec l'équipe de Suisse, donc là, tu es nouveau en fait dans cette équipe de Suisse, mais tu as déjà eu pas mal ta chance pendant les championnats du monde, hein. Quels sont les objectifs maintenant pour l'équipe de Suisse? Ben, là, on est vraiment un groupe jeune cette semaine. Déjà, on va partir en Tunisie, on va jouer 3 matchs. Bah, les buts, c'est sûr qu'on veut gagner les 3 matchs. Et après, à moyen court terme, nous, on vise surtout 2028, parce que 2028, il y a l'Euro qui va peut-être se passer en Suisse. Du coup, c'est sûr que c'est un gros objectif. Et puis, à long terme, puis à moyen court terme, pourquoi pas qualification au championnat du monde. Et puis voilà, quoi. Maintenant, on est vraiment parti, tu vois, pour montrer que le handball suisse, c'est pas devenu, en fait, on n'investit pas tout ça pour rien, tu vois. Ça marche. Bah, merci Mehdi. Et puis tout de bon pour ce tournoi en Tunisie. Et puis à une prochaine, peut-être dans la brasserie du mardi. Marche, merci beaucoup, au À revoir. bientôt. Ciao, ciao.
Cyril Pache nous rejoint dans la brasserie du mardi. Salut Cyril. Salut Sylvain. On va parler avec toi du HC Ajoie. Le HC Ajoie qui poursuit son apprentissage, mais qui a fait un joli week-end avec 4 points. Ça faisait du bien après 7 revers de suite. Ouais, là, ça, on voit que ça va mieux. Ils ont eu un passage à vide il y a 2 semaines environ, là, où ils ont pris vraiment des. Enfin, où les défaites étaient assez larges. À Langna, où ils avaient pris un 9 à 3. Ensuite, le lendemain, ils prennent 5-0 à la maison. Il y a aussi eu un 2-6 à la maison contre Lausanne. Donc là, c'était vraiment des grosses défaites, on va dire. Et puis là, ils ont réussi un petit peu à corriger le tir. Ils ont perdu des matchs aussi, mais c'était moins flagrant, on va dire, dans la différence. Et puis surtout, ils ont fait 3 points en un week-end, ce qui est toujours une belle opération pour eux, à ce stade de leur apprentissage dans l'élite. Justement, c'est vraiment une saison d'apprentissage, hein. Qu'est-ce que Ajoie apprend par rapport à la Swiss League cette année? Ils apprennent beaucoup de choses, hein. Ça va beaucoup plus vite, c'est plus intense. Disons, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal par rapport à l'effectif qu'ils ont. Et aussi par rapport au fait qu'ils ont presque fait tout le début de saison sans jamais être au complet, quoi, surtout au niveau des étrangers. Ils ont fait énormément de matchs à 2 étrangers parce qu'il y a une vraiment ils ont été décimés par les blessures chez leur joueur étranger. Jonathan Hazen, qui était un pion important de l'équipe, s'est blessé au mois de novembre, sauf erreur. Le défenseur Jérôme Leduc aussi a joué très peu de matchs. Donc, voilà, c'était quand même des coups durs. Ensuite, le club a un petit peu, comment dire, ils ont un petit peu tergiversé au moment de se renforcer puis d'aller un peu sonder le marché étranger. Ils ont longtemps hésité à engager des renforts, ce qui les a aussi un peu desservis aussi au niveau de l'image, je pense, parce que quand on est néo-promu, c'est important quand même de montrer qu'on veut être compétitif et puis qu'on veut mettre les moyens justement pour l'être. Et voilà, ils ont réagi, ils ont pu engager 2 étrangers, un autre Québécois, Maxime Fortier, un attaquant, et un autre ailier, un Suédois cette fois-ci, qui s'appelle Sébastien Wanström, qui a une belle fiche de carrière. Et depuis, on voit que ça a apporté quand même de la profondeur à l'équipe, et au niveau de la qualité aussi, c'est bien meilleur. On va reparler de ce Maxime Fortier, mais avant, on attendait beaucoup de ce duo Hazen-Devos, hein, qui avait régalé les années précédentes à l'échelon inférieur. Malheureusement, justement, comme tu l'as dit, il y a eu des blessures. Hein. Hazen, il est out, Devos, il est un peu diminué. Et on n'a pas ce duo d'Ajoie, quoi. Ouais, c'est ce qui est vraiment dommage, parce que voilà, c'est frustrant, parce qu'on se réjouissait quand même de voir ce qu'ils valent au plus haut niveau. Voilà, c'était la grande chance de leur carrière. La blessure de Hazen, bien sûr, a tout chamboulé. Sa saison est probablement terminée d'ailleurs. Mais c'est dommage. On a vu quand même au début que les deux ont eu passablement de peine à prendre le rythme. Je pense qu'ils ont été beaucoup desservis par le fait que tout à coup, ils ont dû passer beaucoup plus de temps à défendre. Ils avaient beaucoup moins le puck sur la canne, donc forcément, ça complique les choses. Pour être efficace offensivement, si tu passes les 3/4 de ton temps dans ta zone de défense à essayer de récupérer le puck, ça aide pas du tout. Donc, ça a été leur grand problème au début. Et voilà, c'est dommage, on n'a pas pu voir quelle aurait été leur évolution. Je pense que les deux, avec 10-15 matchs pour se mettre un peu dans le bain, aurait quand même réussi à faire des belles choses. Qu'est-ce que vaut cet allié, alors, Maxime Fortier, qui a joué ce fera avec Nico Ishii à Halifax, hein, il y a quelques années? C'est une belle surprise, on va dire. Je crois que les attentes par rapport à ce joueur étaient très, très basses quand il est arrivé, parce que c'est vrai que son parcours professionnel n'est pas non plus… Ça ne donne pas la chair de poule quand on regarde son parcours. Hein. Il est sorti des juniors, il a un peu joué dans la East Coast Hockey League, qui est le troisième échelon en Amérique du Nord. Ensuite, il a même joué en Angleterre, à Manchester. Donc, le niveau là-bas n'est pas plus très élevé. Hein. Je pense que ça doit être plus bas que la Ligue B chez nous. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'attentes. Et puis, finalement, il a très bien commencé. Là, il a joué 6 matchs. Il a déjà marqué 5 buts, ce qui est excellent.
Voilà, donc on peut dire que Ajoie a trouvé un joueur qui coûte vraiment pas cher. C'est surtout un joueur, voilà, qui était content d'avoir une chance en Europe. C'est pas non plus évident justement pour les joueurs étrangers de trouver une place dans cette ligue. Et puis ben voilà, lui a eu une chance et pour l'instant il a su la saisir. Et puis c'est vraiment une bonne surprise. Et puis là, il a un peu la voix royale en tant qu'étranger à Ajoie, quoi. Ben, je vois, ouais, disons que c'est un peu à double tranchant parce qu'il y a beaucoup de responsabilités qui reposent sur les étrangers. Par contre, voilà, il est bien entouré. S'il peut jouer, quand tu peux jouer du power play avec De Vos, tu as quand même toujours des chances de marquer des buts. Donc après, il faut encore les mettre. On a vu que pour Jonathan Eisen, en début de saison, ça n'a pas été évident. Lui, il a eu de la peine à marquer, mais Fortier… Il a marqué déjà un doublé à son premier match, donc ça aide au niveau de la confiance, ça donne un certain élan. Et puis par la suite, ben, il a réussi à confirmer en marquant régulièrement des buts, quoi. Il y a aussi la bonne surprise, c'est Frossard, ce joueur suisse, qui fait une bonne saison et puis qu'on n'attendait pas forcément. C'était un bon joueur déjà d'Ajoie la saison passée, mais il fallait encore confirmer au niveau d'au-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, c'est le joueur qui m'a le plus plu dans les matchs que j'ai vus d'Ajoie. Je pense qu'il a vraiment fait… Il a souvent fait la différence. Je crois que maintenant, il a perdu son maillot de top scorer, mais il l'a gardé vraiment pendant longtemps, on va dire. On ne l'attendait pas trop, mais c'est un super joueur. Moi, j'aime beaucoup le voir jouer. Il a un grand sens du jeu. C'est un joueur élégant. Il a plein de qualités. Alors, moi, je fais partie aussi de ceux que je n'aurais pas forcément misé sur le fait qu'il nous fasse une saison pareille, mais je suis vraiment content pour lui parce que je trouve que quand il est sur la glace, il se passe toujours quelque chose et c'est un bon joueur à voir jouer. En plus, je pense que dans la ligue, c'est celui qui doit avoir le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. C'est toujours intéressant d'avoir un joueur suisse comme ça. Le fait qu'il n'y a pas de pression pour Ajoie parce qu'il n'y a pas de relégation à la fin de cette saison, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour Ajoie? Est-ce que c'est un petit peu un cadeau empoisonné? Le fait qu'ils ne Bon, doivent ben pas là, se disons. lutter contre la relégation, tu vois? Ouais. Disons que c'est plutôt une bonne chose, on va dire, hein, parce que sinon, c'est vrai que la situation serait déjà un peu tendue. Maintenant, ils ne sont pas complètement largués au classement, on va dire. Surtout grâce à ce week-end, Virtuellement, hein. ils sont, ouais, virtuellement, ils sont presque à la hauteur de Genève. Enfin, ils sont pas loin du 10e rang, on va dire, des pré-playoffs, quoi. Mais alors, bien sûr, il reste du chemin, il faudra enchaîner les victoires pour y arriver, mais au moins ils sont pas largués. Et le fait qu'il n'y ait pas de relégation, bon, ben, c'est une bonne chose parce que ça évite de devoir faire des folies financières aussi. Je pense qu's'il y avait une relégation, ils n'auraient pas attendu aussi longtemps avant d'aller chercher des renforts étrangers. Il y aurait peut-être eu des Suisses qui seraient arrivés à des prix peut-être disproportionnés par rapport à ce qu'ils valent. Donc là, au moins, ça permet de passer une première année plus ou moins tranquille. Mais il faut quand même faire attention, je pense, parce qu'il y a quand même une question de crédibilité. Ajoie ne peut pas se permettre de terminer la saison en étant complètement largué, quoi. La promotion a déjà été commentée de manière assez sarcastique du côté alémanique, où tout le monde se demandait, ouais, qu'est-ce que ce petit club tout perdu dans le Jura vient faire dans l'élite? Donc maintenant, je pense que c'est quand même à eux de montrer aussi qu'ils veulent être compétitifs puis qu'ils se donnent les moyens de l'être, quoi. Cette crédibilité, elle est aussi liée à son public, hein, parce que ben, le public à Julot, il va peut-être aussi en avoir marre si Ajoie accumule les casquettes en fin de saison, s'il finit en roue libre, par exemple. Bah pour l'instant, ils en ont, malgré les défaites, il y en a eu quand même pas mal, hein, on ne va pas se le cacher, mais faut dire que le public en a pas marre et continue de chanter. Enfin, la dernière fois, j'étais au match, c'était contre Lausanne, ils ont perdu 6-2, donc c'était même pas proche, hein, comme match, mais je pense que 15 minutes après le match, il y avait encore une bonne partie du public qui continuait de chanter et de faire la fête. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Puis c'est vraiment sympa aussi pour les joueurs parce qu'ils sentent, voilà, ils savent bien que c'est dur pour eux, mais le public les lâche pas. Après, faudrait pas qu'il y ait encore 32 défaites, on va dire, mais je pense que cette première année, le public sera à 100% derrière l'équipe, quoi qu'il arrive, même s'ils se prennent des casquettes de temps en temps. Après, la saison suivante, c'est clair qu'il faudra être un peu plus compétitif aussi. Ouais, on attend un petit peu plus d'Ajoie la saison prochaine. Merci Cyril pour toutes ces précisions sur le HC Ajoie.
et puis à tout bientôt dans la brasserie. Merci Sylvain, à une prochaine, merci. C'est au tour de Florian Vanet de nous retrouver dans la brasserie du mardi. Salut Florian. Salut Sylvain. Tout va bien ? Ouais, tout va plutôt bien. Il y a une petite polémique là en Challenge League. Est-ce que le Stade Lausanne-Ouchy ne voulait pas jouer contre Yverdon le 22 octobre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu nous racontes dans les grandes lignes ? Ah, je ne sais pas s'ils ne voulaient pas jouer. Ça, c'est la théorie des Yverdon. Alors, dans les grandes lignes, c'est assez simple. En gros, Stade Lausanne a été touché par le Covid. Le club a annoncé 3 cas Covid parmi ses joueurs. Et Yverdon s'est tout de suite un peu vexé, étant donné que oui, Stade Lausanne-Ouchy est un peu moins en forme ces temps. Yverdon est un peu plus en forme. Et du coup, du côté du Nord-Vaudois, on s'est peut-être dit que Stade Lausanne avait un peu peur de se mettre. Sauf que Stade Lausanne a une plutôt... je sais pas, chacun jugera si c'est une bonne excuse ou pas, mais en tout cas, elle est originale. C'est que en plus des 3 cas Covid parmi les joueurs, il y avait également les 2 physios qui ont été touchés par le virus. Et du coup, comme Stade Lausanne-Ouchy a une liste de blessés longue comme le bras, les 10 physios n'ont pas pu s'occuper des blessés. Et donc, on pénalisé ces blessés qui n'ont pas pu être d'attaque pour le match qui devait se jouer il y a 10 jours à la base et qui a donc été renvoyé. Sauf que SLO a joué quelques jours plus tard contre Bienne en Coupe de Suisse et perdu. Ouais, bah justement, les physios étaient de retour. Alors, le match aurait dû avoir lieu vendredi il y a 10 jours et celui contre Bienne avait lieu mardi dernier. Et, les physios ont pu revenir lundi et puis les blessés légers aussi, entre-temps, ont commencé à sentir mieux. Et donc, oui, Stade Lausanne a pu jouer mardi avec un résultat moyennement probant, ce qui veut dire que ouais, Stade Lausanne-Ouchy n'a pas non plus attendu le meilleur moment et pour jouer. Donc, ouais. Si on regarde le classement, là, avant ce choc de ce soir à 19h30 à la Pontaise, SLO est 6e avec 16 points, Yverdon 8e avec 14 points. Mais bah, on va d'abord commencer par SLO, puis après on parlera d'Yverdon. SLO donc est devant Yverdon au classement. Tu l'as dit, il y a ses absences, il y a ses soucis un petit peu externes. Et puis, il y a aussi une défaite hein, contre Créance à Lanterne Rouge lors du dernier match. Il y a aussi le problème du manque de monde à la Pontaise. Est-ce que le derby ce soir vaudois de Challenge League, il va attirer du monde? Non, je pense que si on atteint 500 personnes, je pense que ce sera un maximum. J'ai peur qu'il y ait encore moins que ça, c'est dire. En plus, il fait froid et puis il risque de pleuvoir. Donc, ouais, c'est ça. Puis c'est un argument de plus de Stade Lausanne-Ouchy pour se défendre de ne pas avoir volontairement renvoyé ce match initial. C'est que ce derby, un vendredi soir, aurait sûrement attiré quelques dizaines ou quelques mardi soir, moi, non, franchement, je pense pas qu'il y aura grand monde à la Pontaise. C'est très malheureux parce que ces deux équipes méritent un immense engouement. Ouais, c'est difficile pour Stade Lausanne-Ouchy. Une victoire lors du derby, en tout cas cette semaine, ça lui permettrait de se relancer parce que là, il y a le wagon de tête qui risque de lâcher. Sinon, hein, c'est un petit peu au milieu du classement et puis il y a un peu les équipes de tête qui commencent à s'envoler gentiment. Ouais, bon, on s'est un peu tous enflammés avec cet objectif Super League en début de saison. Faut pas oublier que le SLO n'est pas forcément la 11e ou la 12e équipe dans la hiérarchie suisse. Pas encore, ça viendra peut-être, mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est assez compliqué d'analyser ce qui se passe vraiment au SLO maintenant. Il y a plusieurs pistes qui peuvent être explorées. Est-ce que on sait que Stade Lausanne-Ouchy a reçu, fait signer pas mal de bons joueurs cet été à la pause, des très bons joueurs, je pense à Sofiane Chader notamment. Alors peut-être que Stade Lausanne s'est un peu trop longtemps reposé sur ses individualités et n'est plus tout à fait la force collective qu'il a été pendant des années, qui a fait sa force, qui l'a amené jusqu'à la 3e place l'an passé. Il y a peut-être un peu de ça, il y a peut-être juste un trou. C'est assez étonnant ce qui se passe à Stade Lausanne-Ouchy. Il n'y a pas eu, dans l'imaginaire collectif, Stade Lausanne, c'est une super équipe, etc. Il faut se rappeler qu'il y a aussi des matchs qui sont un peu moyens. Mais ouais, là ils s'additionnent un peu, c'est étonnant. Et puis, on a l'impression que Yverdon, qui est sur son petit nuage, hein, risque de lui passer devant, peut-être dès ce soir, en tout cas, ouais. La fin de saison, c'est l'équipe vaudoise de Challenge League, voire plus.
avec cet exploit en coupe contre Zurich, cette victoire face à Thun lors du dernier match. Yverdon est sur un nuage. Ah, mais il faut le dire clairement, Yverdon est le favori de ce match, ce qui n'aurait pas forcément été le cas il y a 10 jours encore, mais là, c'est le clair favori. On peut trouver beaucoup d'explications. La plus commune, ce sera bien sûr Ouli Forte, quoi, que j'aime beaucoup à travers son discours, qui est très intelligent, qui a quand même beaucoup de sensibilité, que j'apprends à découvrir depuis son arrivée à Yverdon, et bien sûr, le succès aide, mais... Noé, il se passe quelque chose. Alors, évidemment, c'est parti quand les victoires s'additionnent, mais de nouveau, il a quand même su. Il y a plusieurs axes de nouveau. Il y a le fait que, oui, tout le monde a sa chance, et ça, ce n'est pas que des paroles en l'air, comme on l'entend souvent. Oui, il y a cette rigueur défensive. Yverdon a pris 2 buts sur les 6 derniers matchs de championnat. C'est insensé. Personne ne fait ça en Suisse. Personne ne fait ça, mais je pense qu'on peut regarder jusqu'en 5e ligue. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule équipe qui prennent aussi peu de buts, c'est admirable. Et ça, c'est la méthode forte. Hein. Pardon ? Si je peux me permettre, c'est la méthode forte, ça. Ouais, bah, tu l'as dit, ouais. Non, mais c'est la méthode forte, mais qui n'est pas seulement forte, quoi. Qui est aussi sensible. Qui est aussi... Non, franchement, Yverdon a de la chance d'avoir Ouli Forte. Alors, on dira peut-être plus ça dans quelques mois si les choses vont moins bien, mais là... Oui, il met vraiment bien en valeur cet effectif. Je pourrais vous parler d'à peu près tous les joueurs, tellement il y a de choses à dire en ce moment dessus, mais oui, très très bien en valeur. On va peut-être s'intéresser à ce Steve Balak, qui était un peu le héros de cette qualification en Coupe, qui vient de deuxième division roumaine, sauf erreur. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément le renfort sur le papier qui fait rêver, et puis pourtant, justement, il a sa chance. Et il l'a saisi et ça montre qu'il est dans un environnement sain, en confiance. Ouais, il n'était même pas prédisposé à avoir sa chance à Yverdon. C'est assez fou parce que Corroconé est dans une très bonne forme, il s'est blessé. Il faut se souvenir que Steve Bellec, quand il est arrivé, il était hors de forme, il avait des kilos en trop, Ouli Forte l'a encore dit l'autre jour. Enfin, voilà, et c'était vraiment un mal-aimé. Tout le monde se demandait mais qu'est-ce que vient à foutre ce type ici? C'est quoi ce recrutement de charlatan? Et on est en train de s'apercevoir que c'est faux sur toute la ligne. Mais ça on le sait pas depuis Zurich. On le sait depuis 3-4 semaines avant où il a réalisé un très gros match. Je préfère c'était contre Haro, je suis plus sûr. Mais on voit qu'il a des grandes qualités. Hein. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il pèse vraiment. Il a ce profil qui pèse devant et à la fois, il est très, très habile devant le but. C'est assez intéressant. Alors, de nouveau, on s'enflamme. Il a mis 2 buts contre Zurich. On verra sur la durée ce que ça donne. Hein. Mais oui, on découvre un très bon joueur. Il reste Xamax, le dernier roman qui ne joue pas ce soir, vu que c'est un match en retard, mais qui jouera ce week-end. Est-ce qu'on a mis trop d'attentes sur Xamax? Je crois, oui, je crois tout à fait. Tu poses bien la question comme ça. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, on pose des questions et on a des attentes sur Xamax. Si tu les remets dans le contexte d'il y a 5, 8, 10 semaines, jamais on n'aurait osé parler de ça à Xamax. Et je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Le début de championnat a complètement comment dire, même pas, j'ai pas envie de dire brouiller les cartes, mais un peu ouais, je sais pas, modifier la vision qu'on doit avoir de cette équipe, qui est une belle équipe, franchement, qui est une équipe joueuse, qui est une équipe qui a vraiment des qualités, qui a complètement sa chance dans cette Challenge League, et qui peut encore finir troisième, qui peut encore finir deuxième, qui peut même encore gagner cette Challenge League. Mais il ne faut pas trop en faire, elle peut aussi terminer 8e. Franchement, oui, on en a trop fait et c'est un peu dommage, on s'est enflammé, mais comme on le fait souvent. Enfin, on a fait un peu la même chose d'ailleurs avec Stade Lausanne et on voit que tout n'est pas acquis. Quoi. Mais de nouveau, ça veut dire qu'on parle d'équipes vivantes, on parle d'équipes qui suscitent des émotions et tant mieux si elles ont des phases fortes qui font un peu générer d'engouement et d'émotions autour d'elles. Bon, ben on espère qu'il y aura un tout petit peu d'engouement ce soir à la Pontaise, même si d'après ce que tu nous dis, ça risque d'être pas la grosse euphorie. En tout cas, on espère qu'il y aura un bon match. Et puis, ben, à tout bientôt, Florian, pour en reparler ensemble dans la brasserie du mardi. Ciao, ciao. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Ciao.